soir, Capitaine Jackson. C'est faux. Five. Papito Charles. Ramène la drogue, le cachet, les armes. Anakin. Va choquer des Panama King. Ouais. Ils ont voulu nous la faire à l'envers. C'est dead. Tellement d'oseille que je confonds la semaine et l'autre. La Sonobase. Aujourd'hui, on part direction la frappe 2ème édition, organisée par la Fine Oreille, notre nouveau partenaire. L'événement est simple. 6 artistes émergents montent sur scène pour performer leur catalogue, puis seront jugés par un jury de qualité pour pouvoir finalement, le meilleur d'entre eux, récupérer un prix qui contient notamment des heures de studio et des cours de coaching spécialisés avec des professionnels. Et aujourd'hui, pour les aventures de Shogun, on aura la chance de pouvoir finalement aller dans les coulisses du jury et voir sur quels critères sont jugés nos artistes. Mais maintenant qu'on a, on va dire, l'exclusivité sur la frappe, on va essayer de changer de format et quitter le mode aventure de Shogun et d'avoir un format spécial pour la frappe. On est en train de réfléchir à une idée, ne vous inquiétez pas, ça revient lourd. Sur ce, enjoy la vidéo et à tout de suite. Pour moi, c'est juste les tags. En vrai, je suis pas comme moi, donc moi, je suis pas ton gars, je peux plus me les voir. J'aurai armé jusqu'aux dents, comme pour un coup d'état. J'éteins la lumière au coup de grosse pour pas qu'il fait tard. Comme ça, vendu des vies, c'est merde, il fait pas le poids. Il fait pas le poids. Qui c'est qui a vendu du shit? Qui a sauté de l'exil? Je suis dans les hautes sphères, je suis un gros moteur. On a les grands fers, je suis dans les chevaux, nous avons me berce. Je suis dans un truc, quel qu'est-ce qu'il y a? Et mon 9 millim, je suis shot, ouais, baiser, tu les fous. Et mon 9 millim, je suis shot, ouais, baiser. Et mon 9 millim, je suis shot, ouais, baiser, tu les fous. 4 anneaux, fais rupter le moteur. La rue, c'est pas Hollywood, mais y'a des gros acteurs. 4 anneaux, vérité le moteur. La moula, un empresse de 40 euros d'un fond dans la caisse. La moula, un empresse de 40 euros d'un fond dans la caisse. La moula, un empresse de 40 euros d'un fond dans la caisse. Appelle-moi Big Mitch, il faut mon 8-5 CR. D'après vous, vous êtes tous sous CR. Arrêtez-vous les gars, c'est pas sérieux. Arrêtez-vous les gars, c'est pas sérieux. Arrêtez-vous, hein. Arrêtez-vous les gars, c'est pas sérieux. Bande des rigolos. Une fois, deux fois, trois fois, je suis dans le thème et je partirai même pas. Une fois, deux fois, trois fois, je suis dans le thème et je partirai même pas. Une fois, deux fois, trois fois, je suis dans le thème et je partirai même pas. Je te vois, tu perds, unis collectif, je n'oublierai jamais. Je réaliserai tous tes rêves. Je te connais, tu me connais, on sait. Faut pas que tes mots, je te trouverai. Tout pour Cardi bébé, tout pour Cardi bébé. T'as même pas idée, je te mirai ciel et terre, juste pour te retrouver. Je vais pouvoir te bouger, tu n'es qu'une question. Pour la belle ou la chère passion. Les honnêtes, je fais des soins. Demain, je suis capable. Je vais pouvoir te bouger, tu n'es qu'une question. Pour la belle ou la chère passion. Les honnêtes, je fais des soins. Demain, je suis capable. Moi, c'est la cahier, ça tirait des cailloux. Moi, je trouve que c'est normal, mais qui sont outillés. Moi, c'est les couillons qui récupèrent les colis. J'appelle la polac, un peu apolique. J'appelle le polac, un peu alcoolique. Les artistes parfaits, bien soulevés dans ton lit. On fait pas les emplois. On n'a pas les couilles dans les emplois. Je vais faire solo, laisse-moi te chuchoter. La plus jolie des mélos, jolie des mélos, jolie des mélos. J'ai le cœur saoulé, je nage dans mes soucis comme un poisson sous l'eau. Laisse-moi te faire solo, laisse-moi te chuchoter. La plus jolie des mélos, jolie des mélos.
connais qu'une femme dans ma vie, elle porte le nom de la rue. Et comme nous l'a dit Ellie, je crois bien qu'elle nous a tous eu. Elle est connue dans ma vie, elle tourne autour de ma vue. Elle a gâché nos vies avec l'alcool et la fume. Je connais peu de vrai dans ma vie, quand je donne mon âme, je suis ravi. Je trahis pas pour une rabie, mais j'en connais qu'un comme moi qui me tient au bord du ravin, la seule pour me tenir la main. Donc là, l'équipe, elle sont au base. Je suis avec Willes. Il est venu, il a fait ça. Ça a été explicatif. Genre, premièrement, ce que j'ai vraiment apprécié avec toi, c'est que t'es monté sur scène. Déjà, t'as fait un premier son, t'as kické. T'as posé les bases, t'as expliqué à tout le monde que ouais, moi, je suis rappé. Et le deuxième, t'as fait un son, t'as chié. Juste propre, belle voix, j'étais surpris. Comment t'as vécu un peu ce moment-là? Bah, moi, je te mens pas. Mais ça banal, hein. Parce que, en fait, je viens d'une ville où on n'est pas assez l'information. Je viens à Lyon, et à Lyon, j'adore ma vie, hein. Mais à Lyon, la force, on en a besoin. Et ça fait pour moi, je rappelle comme si j'étais posé avec des rats. Okay. Mais en tout cas, moi je trouve que. Déjà, t'as dit une chose, parce que juste avant qu'on filme, tu disais, hier j'étais encore à l'usine. Ça te fait quoi d'être là, d'un coup, t'étais à Lyon, t'es monté à Paris, t'as commencé à performer, t'as fait sauter les gens, tu te trouves ici. C'est un peu. Comment tu vois un peu la chose? Je réalise pas en vrai, mais en vrai c'est pas incroyable, hein, mais je me dis comme quoi il y avait plein d'autres artistes. Il y avait un frérot qui est venu lui aussi, super chaud, ils étaient tous chauds. Et je me dis pourquoi moi, alors qu'on est tous pareils. En tout cas, tout le monde a kiffé. Est-ce que j'aurais des contacts, des réseaux? Non, on pourrait suivre. C'est willes.69 sur Instagram. Et vous pouvez retrouver tous les réseaux, tous les sons que je sors, c'est là-bas. Allez sur Instagram. Nickel, en tout cas merci à toi. Merci à vous. On va aller check ça et on se retrouve. J'espère bientôt que t'es à Lyon. Avec grand plaisir. Au top, merci à toi. J'aime bien faire dans les poches, mais je rêve de poche. Je veux le faire pour la prochaine qui j'aurai tous les gays. Faut que je m'accroche, il faut bien que j'accroche. Je peux pas rater le coche, il n'y a plus qu'à s'accrocher. Si toi à cœur et devant mon accord, pour lui serrer la poche et la libérer. T'as le CD, tu l'auras, je vais pas finir ton quai. La vie est chaude, pourquoi plus c'est ton pénis. Moi qui me souris, mais plus de ma vie. Au point de ceux qui m'entourent, de ma liste. Si possible, allez vous faire en palais. Voyons, ça me fout les boules, t'en parlais. Le monde est devenu fou, mais t'arrêtes. Les grands terrains, je suis fou, c'est carré. Les gros qui sont mal écoutes, le temps est. Je suis dans la chambre poule, au point de vue. Tu t'es fait tenir en laisse, moi j'ai tenu les rênes. Mais qui que croit en moi quand je suis crache dans la rue. J'ai des manies de soi, gravées dans la DM. Il est de mon espoir de laisser les lettres et la vue. Travaillez pas beaucoup de pubs. Bien attendez ma chute, mais j'en attendais pas plus. Bien si c'est des pères plus. Des excuses de merde, tu sais déjà où tu peux te les mettre. Les fauteurs, ça fait que le temps. La Snowbase, là je suis avec un mec qui a du flow, un mec qui est soin, un mec qui sait. Arrête. Juste ici. Je suis avec Edvi. Il a raison. Je suis avec Edvi. Edvi, il dead ça. Edvi dash. Trap NB, c'est ça? Trap NB, exactement. C'est un mélange de trap et de R&B. Le gars, il est arrivé, il est monté sur scène, il a prouvé. Explique-nous un peu ton style, ton origine, d'où te vient ce grind, cette énergie-là. Bah alors, je me représente comme on m'a bien introduit. Moi, c'est Ed Vida, je fais du trap NB. Ça fait 10 ans que je baigne dans la musique. Pas 10 ans de carrière, mais 10 ans que vraiment je bosse la direction artistique et je bosse la musicalité que j'aimerais apporter dans l'industrie. Et donc, des potes, on a créé un petit collectif qui s'appelle Serve, S-E-R-V. Et en fait, on se concentre vraiment sur la créativité visuelle. Ok. C'est-à-dire que si vous voyez nos clips, vous allez voir de quoi je parle. Mais voilà, moi, je suis souvent au scénario. Et avec mon équipe, on s'occupe de la direction artistique, de comment ça se passe. Et le réalisateur qui fait nos clips, il s'appelle Teud. Mmh. Vous pouvez chercher Teud TV sur Instagram. C'est vraiment un réalisateur de talent. Et voilà, on est de Strasbourg. Hein. Mais comment? Attends, mais moi, je comprends pas. Là, on est à Paname ici. Mmh. Donc, c'est chaud, ça trappe Andy fort en Alsace. Malheureusement, il n'y a que moi. Il n'y a que moi et aussi un artiste anglophone dans le collectif qui s'appelle Jody Rain. Et lui, en fait, il interprète en anglais. Ok, mais voilà. Dis-moi un peu, quelles sont un peu tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, en fait, depuis que je suis petit, je regarde MTV, Trace, tu vois. Mm-hmm. Je kiffe un peu le hip-hop américain.
et aussi francophone. Mais celui qui m'a vraiment donné envie de me lancer, c'est Drake. Je sais qu'aujourd'hui, ça a l'air facile comme réponse, mais moi, Drake, je l'ai découvert sur MySpace. Okay. Donc, j'ai suivi toute l'ascension de cet artiste-là. Donc, ça me fait un peu mal aujourd'hui que des personnes disent que ce n'est pas un vrai artiste, que c'est juste moi, j'ai vu. J'ai écouté les premiers morceaux. Ok, elle a bossé. Pour moi, c'est vraiment une référence, tu vois. Mais donc, dis-moi maintenant. Tu nous as parlé de ton crew, de tes références, mais où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, sur Spotify, à Deezer, à YouTube, Insta, tout? En fait, c'est compliqué. Balance tous les réseaux. C'est compliqué parce que je suis sur les réseaux, mais sauf que on ne trouvera que trois travails que j'ai effectués parce que je n'ai pas encore sorti un projet global. Mais vous pouvez me trouver sur Instagram, Edvidash, sur Spotify, pareil, sur YouTube avec les trois clips qu'on a fait. Franchement, je vous incite à le voir parce que c'est quelque chose. On a bossé grave dessus. Et bah voilà, sur toutes les plateformes de streaming. Super. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Et je te dis à bientôt. Au top. Passe une bonne soirée. Peace, l'équipe. C'est bon, on passe sur les artistes les uns après les autres. Vu que c'est filmé, il faut un peu tout contenu. Voilà. Moi, et ben, comme c'est filmé, moi je vais être beaucoup plus clair. Les trois derniers, voilà. Y a-t-il besoin de tergiverser? Non, on est tous d'accord. Mais d'accord, maintenant la question c'est pourquoi? Parce qu'après on va prendre le micro, on va expliquer pourquoi. Moi par exemple, moi déjà de base, il faut savoir que moi je suis un Lyonnais. Donc moi je suis pro-Lyonnais. Donc déjà, de base, les Lyonnais sont avantagés par rapport à moi. Toi, je dis la vérité, mais Zepec, du coup c'était le second Lyonnais, c'était ouais. Le premier Lyonnais qui est passé. Il était en dessous de ce qu'a proposé Willes. Willes qui était l'avant-dernier. Willes, il a eu une proposition du coup, enfin déjà en fait il est arrivé en titan. Après, deuxième son, il a chanté. Du coup déjà en termes de proposition musicale, c'était là, tu vois. Prestation scénique, c'était pas. Ouh, mais au moins il s'est mis ici. Moi j'ai sauté, ouais. Moi j'ai kiffé sa prestation scénique parce qu'en fait, tu vois, t'as deux choix, je pense, quand t'es sur scène. Soit t'es le mec clac 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 qui va vers les gens, soit t'es le mec qui est un peu calme, mais tu vois la prestance que t'as. Ouais, sans faire trop de mouvements, ben, paf, tu peux faire plus d'impact que quelqu'un qui fait que de sauter, qui fait que de trucs. C'est ça la différence de SLB et Diablo, là, le premier, qui bouge dans tous les sens, qui est énergique après toute la scène, mais c'était très rapidement brouillon. En plus, c'était plus posé. Willes, en fait, moi, j'ai beaucoup jugé au niveau de sa prestation scénique, moi, je l'ai beaucoup jugé sur sa manière de. En fait, c'est limite, en fait, c'est plus théâtral. C'est dans le sens où, comment, en fait, présentait les émotions de sa musique physiquement et sur scène. Donc ça, son visage, ses émotions, quand en fait il est dans une phase où il y a une phase de phrase où il sortait des textes un peu plus, sortait des mots un peu plus sombres. Donc tu sentais qu'il était en mode plus fâché, quand c'était plus doux, il ressouriait. Et en fait, c'est tu il a vécu son son. Il a vécu son son. Il bougeait quand même. Mais parce que je trouve pour un mec comme ça, c'était. Il m'a surpris, moi. Parce que tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il bouge de ouf, mais je trouve qu'il a une présence scénique, elle est intense. Mais tu vois, de la même manière, c'est belle. Pareil, hein, je suis comme toi, moi je suis des Ulysse, donc moi pour moi je la jugeais en mode il y a plein de moyens, faut qu'elle fasse un truc de ouf. Elle est tombée dans le piège du playback qu'on n'a plus entendu. Scéniquement c'était cool, mais rapidement on est dans une direction. Elle chante pas pour tout le monde, elle chante juste pour ses gars. C'est ça. Du coup, dommage. Tu regardes un spectacle dans le spectacle. Le spectateur donne un bal. C'est dommage. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'elle a faite. Nous a oublié. Parce que moi, scéniquement, c'est ça que j'ai pas kiffé. C'est que. Parce que, c'est pas pour. Voilà, on est dans un concours. Il y a plein de gens qui te connaissent pas. Même si t'as ramené tes 100 personnes. C'est pas pour eux que tu chantes là, tu vois. Il a trouvé avec le dernier. Faut que tu convainc les solos, les juges, les gens qui ne connaissent pas ta musique, tu vois. Et là, elle était trop à l'aise parce qu'elle avait ses gens. Elle s'est oubliée. Bah, en vrai, est-ce qu'il y a. Ces trois derniers aussi, hein, pour moi, hein. C'était assez clair. Hein. Alenzo Smith, forcément, c'est le petit frère de Rick Gagnon du Vic. Ah ouais, c'est le petit frère de Vic. Son petit frère, ouais, c'est le petit frère de Vic. C'est même mieux que Vic. Ouais, je te jure. Non, mais parce que Vic a. Plus longtemps. Ouais, c'est il chante depuis plus longtemps. C'est vrai. Vic, ça faisait vraiment pas longtemps qu'il chante. Genre, ça bail de 1 an, 2 ans, je crois. Oui, il a vraiment. Je crois son premier son qu'il a branché, je crois, il n'y en avait que deux quand même. Il avait, je crois, il y a le troisième, il l'a fait juste avant. Là, au niveau gospel, tout ça, on sent qu'il ne l'a pas menti. Ouais, donc les frères veulent faire un braquage. Franchement, quand j'ai vu Alonso Smith, j'étais en mode. Ouais, ok, c'est bon, lui, il y a moins qui gagne. J'ai vu Willes et Edwin,
Ça va se taper sur la finale. Il y a trois propositions vraiment différentes. Ouais, ouais, c'est lourd. Bon. Et au final, je trouve que l'avant-dernier, il est dans le style des deux premiers et des premiers qui sont passés. Mais sauf que lui, il a une qualité qui est vraiment plus heavy. Donc quand il arrive, ça se sent direct, tu vois. Ouais, moi, j'ai senti beaucoup plus professionnel aussi, même dans sa manière de... Son texte, ouais. Sa prestance et c'est carré. Il y a des rappeurs normaux, hein. Il a choqué sur le premier son. Et ça, c'est le problème du playback. Ouais. Parce que tu l'écoutes et en fait, tu rappelles un peu de choses, un peu de pression. Ouais, c'est ça. Non, on peut faire. Bon, bon, qui est le grand gagnant. Willès. Félicitations, Willès. Important pour cet événement, la frappe. Le host, MAD. Yes, ça dit quoi, mon frère? On est là et toi? On est là, hein, fatigué parce qu'on vient de finir l'événement, mais toujours là pour pouvoir répondre à tes questions. Ah, c'est carré. Dis-moi, comment, depuis quand tu fais un peu ça, là, tout ce qui est host, d'événements, de ce genre d'événements? Ça fait, on va dire, deux ans. Déjà, de base, moi, je suis dans le stand-up, tu vois. Je suis dans le divertissement, je suis dans le journalisme, je suis dans beaucoup de trucs, tu vois. Et j'ai découvert ça lors d'un... En plus, c'est incroyable parce que j'ai commencé tout de suite avec un gros truc. Mm-hmm. J'ai présenté un truc au Grand Rex, tu vois. Ah ouais, quand même. Et ça s'est super bien passé. Et Comi, il a vu les trucs un peu sur le réseau, etc. Et puis, il m'a contacté. C'est comme ça que ça a commencé. Ah, mais franchement, moi, je trouve que tu dégages un bail. Notamment, déjà, bon... Tu vannes tout le monde? Oui, public, ça va de toi, ça va de toi. C'est ce qui vient de passer. Ça va de toi. Dead, oui. Tout le monde prend, mais t'arrives vraiment à mettre une ambiance hyper bienveillante. Mm-hmm. Et moi, en tout cas, personnellement, grâce à toi, je pense que j'ai passé une très bonne soirée. Merci, merci. Bah, j'essaie de comment dire ça, faire en sorte qu'on ait une ambiance assez genre familiale. Genre, on est ensemble, on oublie que c'est une compétition, on se vanne, on rigole. Même les différents artistes, ils peuvent même me vanner. C'est un délire, on rigole. C'est comme si on est à la cité et où on est en famille, on est autour de la table et tu connais les petites ambiances comme ça. Ouais, j'espère. Je sais pas parler français. Non, j'essaie de. Tu sais, hein. C'est pas grave. Y a pas de j'essaie de faire ça, de mettre une bonne ambiance. J'essaie en tout cas. Franchement. Pour moi, ta mission elle est assurée. Merci mon frère. En tout cas, ce fut un plaisir. Dis-moi, est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Dis-moi un peu. Balance oui, ça. Bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat, Eternel Mad. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mad-du-bas compris. Vous pouvez me retrouver sur Tinder aussi. Je rigole. Non, c'est ça, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Snap. Donc voilà, on est ensemble. Merci, merci pour cette interview, c'était lourd. On est ensemble. La Sonobase, on se retrouve plus tard. Yes. Peace. Very well. Merci. Merci encore à la Fine Oreille pour l'organisation. C'est toujours super. Vous tuez ça, c'est vraiment un cadre dans lequel on aime participer, on aime être convié. Maintenant, je viens de faire un petit retour sur les artistes. Eh, diminuez le playback. Et aussi, soyez généreux dans vos prestations scéniques. Ne rappez pas que pour vos potes. Là, vous avez de la chance, vous pouvez avoir un maximum de visibilité, avoir des contacts. Les refs, soyez généreux et les sisters, soyez généreuses. C'est hyper important. Maintenant, n'oubliez pas l'équipe. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous, c'est important pour nous. Sur ce, peace et on se retrouve pour d'autres aventures et surtout la frappe 3. La Sonobase. Yes. Là, je suis avec
reprends. Regarde comment tu tiens le truc là. C'est là, voilà. Non, c'est même pas ça. Tu sais, j'ai fait quoi quand j'ai fait, j'ai fait. Dis-moi, j'ai voté sur la blé là. Pour performer et compéter. Hey, comment on dit compé quoi? Affine Oreille, notre nouveau partenaire. L'événement est simple. Oh putain, ma voix est partie. Le meilleur est continuer à travailler votre art à peaufiner et soyez encore plus indulgent. Plus. Oh, oh, pas plus indulgent. Plus exigeant. Ouais. Pour conclure, encore un merci à la frappe. Encore un merci à la fine oreille pour l'organisation. C'est super. Bon, c'est super. Hein. Mais c'est pas super. La Sonobase, aujourd'hui, dit on. Oh putain, fuck.